Pour la recherche documentaire par quantité, actuellement, Lucene permet de faire de la recherche de valeurs discrètes dans des intervalles. Et un ingénieur Yu Schindler a intégré les structures d'arbres BKDI qui permettent de faire de la recherche spatiale pour des objets 2D, voire 3D, mais fonctionne aussi en 1D, qui permet de faire des recherches d'intervalle par intervalle avec une définition de scoring spécifique. Donc par exemple, par défaut, on peut faire, par exemple, on recherche un intervalle, par défaut, c'est l'intersection normale, on recherche les intervalles, les documents qui correspondent à un intervalle donné, qui se recoupent avec un intervalle donné, ou bien qui sont compris dans un intervalle donné, ou bien qui sont contenus dans qui ont un intervalle qui est contenu dans la requête demandée. Récemment, il y avait des évolutions très intéressantes et très applicables sur Lucene en avril 2016, sur Solar et sur Elasticsearch, qui sont basés sur Lucene et qui ont permis d'avoir de nouvelles perspectives en recherche d'informations scientifiques et en text mining. L'exemple, ça serait de pouvoir rechercher des documents à partir de critères de positionnement 3D d'entités astronomiques. Un petit rappel sur la plateforme Analytics. Donc, le but, c'est qu'on récupère les documents PDF, TEI, XML depuis différentes sources. On fait une transformation pour avoir un format TEI standard. Et puis, on fait une persistance de ces objets dans une base de données MongoDB. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la chaîne d'ingestion, on construit une base de connaissances en gardant les références des entités de la recherche. Et on fait passer les annotateurs pour avoir les différents enrichissements avec NERD, KeyTerm, Quantities et BioGrobit. Et au final, on indexe toutes ces informations-là dans un moteur d'indexation Elasticsearch. Et les travaux qui sont toujours en cours d'intégration dans la plateforme, c'est un module pour la déduplication qui va permettre d'améliorer la base de connaissances, et un outil de GraphDB qui va permettre de relier les auteurs et les articles scientifiques. Donc, pour utiliser ISTEC, on se base sur les catégories WAS et Science Metrics pour sélectionner des domaines qui sont riches en mesure de quantité. En premier lieu, on a travaillé sur un petit échantillon de quelques centaines de documents en récupérant les documents uniformément à partir des catégories WAS et Science Metrics. Et les difficultés qui ont été rencontrées, c'est qu'il y a beaucoup de limitations de l'approche par zip en termes de volume et d'évolution. Et parmi les suggestions, comme on avait déjà eu l'expérience de travailler sur HAL avec OIPMH, qui permet la définition d'ensemble et sous-ensemble d'une manière plus pertinente. Et une autre suggestion, c'est de séparer la harvesting des métadonnées pour le téléchargement des PDF, parce que ce n'est pas la même volumétrie de données. Donc là, on a une petite démo avec un petit corpus de quelques documents qui ont servi d'échantillon. Donc là, on a par exemple 30 documents. On va par exemple chercher, par exemple, normalement, le but, c'est de pouvoir faire des recherches avec un parsing des quantités depuis un champ libre. Par exemple, dans ce cas-là, pour l'instant, on va faire une recherche à partir d'un formulaire. Donc pour rechercher, par exemple, une température. Je sais pas s'il y a un document. Voilà, donc on recherche par exemple cette température-là, parce qu'il y a un document qui a cette mesure-là, donc on a cette entrée-là. Et donc on peut visualiser le PDF avec les quantités qui sont disponible. Donc, actuellement, j'utilise HAL parce que j'ai pas pu, suite au problème qu'il y a eu sur ISTEC, j'ai pas pu récupérer les documents ISTEC.
C'est un peu long pour charger le PDF. Je sais pas. Donc on a les annotations de quantité. L'idéal, ça serait d'afficher juste la quantité recherchée. C'est ce qui sera fait dans la version finale de la démo. Et là, on a par exemple, je crois que c'est celle-là. Ouais. Donc la température, la mesure avec les différentes, avec la valeur normalisée et l'unité normalisée. Donc voilà, on peut faire des manips sympas comme ça pour rechercher dans un corpus à partir de quantités. Donc pour l'instant, on a travaillé sur la récupération et l'identification d'un échantillon. Le travail qui a suivi, c'était de générer des données d'entraînement pour pouvoir en même temps d'améliorer l'outil Gobit Quantities et aussi et reconnaître des quantités qui n'ont pas été identifiées à partir du corpus HAL. Alors moi je serais intéressé par savoir exactement comment vous comparez une requête avec les documents. Donc vous nous avez parlé d'intervalles, de chevauchement d'intervalles ou d'inclusion d'intervalles. Mais c'est pas forcément équivalent. Enfin, je sais pas comment c'est proposé à l'utilisateur. Et après, comment c'est calculé? Est-ce qu'il peut y avoir un petit chevauchement, un grand chevauchement? Actuellement, ça se fait avec à partir du formulaire, comme j'ai montré dans la démo. Et le formulaire, on renseigne l'intervalle qu'on veut rechercher. Et après, on peut le faire par formulaire, par exemple. Oui, mais une fois que j'ai dit que je voulais tel intervalle. Comment je fais pour comparer avec un autre intervalle qui est dans, enfin, que je trouve dans ma bibliographie, enfin, dans les textes que vous extrayez. Je peux avoir un intervalle beaucoup plus grand dans lequel le mien va rentrer, ou enfin, c'est ce que vous avez montré un moment sur une diapo. Est-ce que c'est un bon résultat pour moi ou pas? Est-ce que comment je peux affiner ma recherche, demander à ce que l'intervalle soit exact ou pas trop petit par rapport, etc. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus ou pas encore? Pour l'instant, on n'a pas trop réfléchi sur la partie. On a juste travaillé sur la récupération d'échantillons, générer des données d'entraînement. C'est surtout ça le travail sur lequel on s'est focalisé au début. Mais par la suite, on a commencé à se poser ces questions-là, mais on n'a pas encore fait un point réel là-dessus. Une petite question, je ne sais pas si tu peux y répondre directement. Les différents logiciels que vous avez développés dans ce cadre-là, donc sont accessibles sur la plateforme de l'INRIA, est-ce que vous envisagez de les rendre aussi accessibles éventuellement, comme on a discuté tout à l'heure, sur une machine virtuelle ISTEX où on regrouperait les résultats du projet? D'accord. Oui, puis en plus pour les enregistrements, là, puisque la journée est enregistrée, tout ce qui est dit hors micro n'est pas enregistré. Donc, comme j'ai dit, on est en train de travailler pour dockeriser la plateforme, que ce soit analytique, que ce soit les différents outils, on travaille pour avoir une version dockerisée. Mais je ne sais pas si, je sais pas dans le cas, parce que c'est Patrice qui se charge de tout ce qui est en relation avec ISTEC. Du coup, je ne sais pas ce qu'il a décidé là-dessus. Je pense qu'il devrait pas. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème pour que ces outils puissent être utilisés par la communauté ISTEC. Hein. Non, puisque déjà Grobid en oui. Soi, je ne parle pas de la partie Quantity là, qui nous a montré, mais Grobid est déjà utilisé dans ISTEX pour tout ce qui est reconnaissance des références citées. Il est en cours d'utilisation et d'industrialisation pour tout ce qui est restructuration du texte plein.
Donc après, Grobid se décline en différentes. Et là, il y a un nouveau module Grobid Quantity qui permet effectivement d'extraire et de manipuler des mesures, des quantités, des choses comme ça. Si on l'a fait pour les deux premiers modules, je ne vois pas pourquoi oui. Le troisième, il refuserait. Ça me semblait aussi.